Wow, bonjour, bonjour et bienvenue sur cette 286e VOD Moemoe avec Virus sur iPad et Manchin, Neptunia Rebirth 3 V-Generation et joyeux Noël, bien entendu, puisque nous sortons cette VOD le 25. Alors j'espère que vous avez eu, vous avez passé bien sûr un excellent réveillon, hein, que vous avez déballé des tonnes de cadeaux, bien entendu, hein. J'espère que vous êtes en bonne santé, hein, et que vous n'avez pas trop abusé des bonnes choses. Voilà, donc un excellent Noël. Moi, de mon côté, sachez que je fête aussi Noël dans mon coin. Voilà, je m'autorise quelques vacances. Donc, vous voyez, c'est VOD, mais c'est pré-enregistré. Et donc, vous me voyez aussi avec mon petit bonnet. Parce qu'on a pris le petit bonnet pour l'occasion. Voilà, parce que c'est Noël. Et il faut fêter Noël. Du coup, alors, moi, il y a un truc que... Eh bien, ça fait un moment que ça traîne un petit peu dans ma valise. Et qu'on n'a jamais rien fait avec ça. Et le truc, c'est que je l'avais complètement zappé. Et aujourd'hui, je vais contenter un petit peu ceux qui aiment bien les combats, plutôt que l'histoire, parce qu'on va s'attaquer au Colosseum. Je ne l'ai jamais fait. Et donc du coup, je vais le forger instantanément. Et vous voyez que nous avons le Colosseum qui est apparu. Donc cette VOD sera consacrée au Colosseum. Alors, oui, alors il y a pas mal de trucs qu'on va pouvoir gagner. Alors... Le Colosseum fonctionne à peu près tout le temps sous cette contrainte. Le problème, c'est que oui, le Colosseum, ça fait varier les chairs. Mais regardez, si je réussis Game Air et Game Even, eh ben voilà, ça rétablit les chairs. Et par exemple, si je fais Contract With Me plus... donc ça donne des trucs de l'inbox à la station, de l'OUI à l'inbox et sans doute de la station vers l'OUI, voilà. Tout simple. Ah d'accord. Ah oui. Ah, celui-là faut faire gaffe. Ok. Many logos faut faire gaffe. Ok, allons-y. Bon, on commence. On se fait le premier. Et on va voir si on se fait arracher la rondelle. Test. Test 1-2-1-2 test. Non, ça va. Ils sont pas trop balèzes. On va les arracher. Alors ça, par contre, c'est un ennemi que j'ai jamais rencontré, quoi. Oh, mais regardez-moi ça, impeccable. Ça se goupille bien. Ah, par contre, ils sont pas foulés pour les décors, hein. Ah, il y en a un qui a l'air... bien costaud quand même, hein. Non mais alors toi par contre non. Voilà, c'est non. Mais veux-tu, tu vas taper sur le plus balèze. Oui, on y va Vanilla. J'ai l'impression que c'est ok, hein. Vanilla, ça passe, hein. Tranquille, tranquille, vraiment tranquille. Impeccable. Peu d'XP, mais voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et donc là, on va gagner un cadeau qui s'appelle Verstrap. Faudra qu'on aille regarder ça après, hein, quand on l'aura gagné. Là, on n'a pas gagné grand-chose, hein. Voilà, 1000 crédits, bon, ça fait toujours plaisir, mais... Game Even. Là, on gagne Verstrap. Bon, je suppose que les ennemis sont à peu près de même level. Alors ça, c'est des ennemis qu'on rencontre normalement, enfin moi, nous, pour nous, c'est des ennemis qu'on a rencontrés dans Versus Sega Outgirl. Si vous n'êtes pas habitué, hein, nous, on tourne ces VOD en live, et il m'arrive, car je ne fais que les VOD des jeux, voilà, des jeux originaux, des jeux principaux, mais en live, on fait également les spin-offs. Voilà, si,
Tiens de ces quatre a passé et qu'il y a un spin-off qui est sorti, vous me trouverez très certainement en train de jouer sur ce spin-off sur ma chaîne. Vous l'avez manqué. J'ai même l'impression que c'est plus facile. Ce combat-là a l'air encore plus simple. C'est fou, hein. Incroyable. Oh là là. Cette facilité. Oui, alors maintenant j'aimerais... Qu'est-ce que c'est ça, Verstrap? Allô? Noir, blanc, vert, ok, d'accord. Je vais m'adresser au chat, ça a une utilité. Waouh. J'ai ce genre de truc, je sais pas, vraiment en fait, commence à y avoir beaucoup d'items, hein. Ça a une utilité, ça a l'air d'être des objets clés, mais des objets clés pour faire quoi? Aucune idée. Allez, parce que je suis un mec hyper cool, hyper sympa, on va se faire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Logiquement, ces trois-là devraient s'auto-équilibrer. Parce que regardez, l'inbox vers la station vers le Wii, enfin le Wii vers l'inbox, logique. Je dirais que c'est de la collection. Ah, possible. Possiblement de la collection. C'est vrai. Bon, logiquement, ça devrait pas être bien dur. On a affronté bien pire. Souvenez-vous de cette VOD où on s'était vengé d'un affront. Nous avions lavé notre honneur avec un mob particulièrement puissant. Eh oui, vers... toujours pas suffisamment puissant, hein, malheureusement. Voilà, easy peasy. J'ai gagné des cornflakes. Why the fuck not? After all. On ira voir ça, les cornflakes aussi. À quoi ça ressemble vraiment? Est-ce que c'est la boîte ou est-ce que c'est genre un petit sachet de cornflakes? Ah, ça c'est un color swap un petit peu des ennemis qu'on avait rencontrés. Souvenez-vous. Est-ce que c'est juste parce qu'ils sont plus puissants? Ça m'étonnerait, ils ont pas l'air plus puissants. Au contraire. C'est rigolo en fait qu'ils soient dans la famille des Cancrela. Ou des insectes du moins. Oh là là. Easy quoi. Tellement easy. Manger le frit. Bon bah écoute. Ah oh. LOL. LOL. Ça fait référence à ces insectes que l'on mange grillés. Des grillons grillés. Oh, c'est rigolo, j'avoue. Pas rigolo. La petite. La petite référence, en tout cas, était bien trouvée. Ce sont des baby bugs, donc des bébés insectes. Et le titre de la quête, c'était manger le frit. Oh, et c'est rigolo. J'avoue, c'est rigolo. Alors là du coup, je vais tenter un truc ici. Hein. Mais Nido Gobs, je vais pas le faire, parce qu'en fait, ça va foutre le bordel dans mes chairs. Lowy vers la station vers Planétune vers l'inbox, l'inbox vers Lowy. Logique, ok, ces quatre-là doivent être faites ensemble. On devrait pas avoir trop de mal à les réussir. Cependant, nous avons gagné des cornflakes. What the fuck? Allô?
Où sont mes cornflakes? Ah, je veux les mêmes! Ah, je veux les mêmes, quoi! Oh là là, la boîte de céréales du petit déjeuner, quoi! Ah, s'il y en a des comme ça, mais je me rue dessus, quoi! Voilà, c'est gagné, hein! LOL! I love it! I love it, my friend! Excellent! Ah oui, forcément. Okay. Les fameuses images tirées directement d'Eroge ou de visual novel. Enfin, en tout cas, de dating sim. Ah, ils ont l'air plus balèzes. Ah, c'est de la catégorie D, hein, c'est plus de la catégorie BB. Ah oui, effectivement, c'est plus de la catégorie bébé, là. Bon, ça va, ça se fait bien. T'es plutôt honnête. En plus, c'est un bon moyen de récupérer des plans même, tiens. Cool. C'est vrai qu'il y avait des... Là, il y a des plans carrément. Yellow Arto. Ah, si je la gagne, ça va spoiler. Ah, je vous la montrerai pas alors. J'essaierai de pas vous la montrer. Oh bah, easy. Easy, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on va littéralement rouler sur le Colosseum, quoi. Voilà, première VOD qu'on fait sur le Colosseum, hein, je vais vous le présenter tout ça, et boum, on va lui rouler dessus. Incroyable. Ce bonnet me fait mal. Voilà. Disons que l'accumulation bonnet, casque, c'est pas génial. C'est à retenir en fait, pour de futures vidéos. Des saucisses DS. What? Attendez, quoi? Allô? Il va y avoir des trucs très très bizarres hein, quand même dans ces fameux items. On va aller regarder ça après, après le Colosseum. On finit d'abord tout ça. D'abord on finit notre assiette et ensuite on ira manger le dessert. Ouais ouais ouais, c'est, alors on me dit dans le chat, ah disons le montant d'XP est sympa. Ouais c'est vrai que c'est vraiment substantiel. Ça donne envie d'aller faire le Colosseum quoi. Alors que souvenez-vous, cette injustice du premier Colosseum dans le premier Hyper Dimension Neptunia. Ah là là. C'était extrêmement dur. Et qui donnait finalement des récompenses pas forcément extraordinaires. Fallait bien choisir hein, sa mission entre guillemets. Oh, c'est 0 de damage quoi. Excellent. Voilà, et logiquement là, mes chairs n'ont pas bougé. Bah, une fois que j'aurai terminé cette mission du Colosseum, mes chairs n'auront pas bougé. Stéphane n'aura pas bougé. Voilà, je salue tous ceux qui auront compris cette blague, ce jeu de mots. Est-ce qu'ils ont compris dans le chat? On va voir ça.
Ah non mais j'ai... Vraiment en fait, pas trop de difficultés, ça va, j'attaque Vanilla, ça passe. Et 115 000, c'est pas de la merde. Attends, presque 116 000, c'est pas de la merde. Ok, donc il nous en reste un, mais bon, voilà. Celui-là, je vais éviter de le faire, parce que si vous regardez bien, mes chers sont tous à 25%. Ah, j'ai pris grand soin de manage mes chers pour qu'ils soient tous à 25%. Alors, voyons voir. Allô? C'est... Hein? Oui? Anne-Memory, d'accord. Les fameux cornflakes. Les saucisses, d'accord. C'est des saucisses... What? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mange ma saucisse, moi j'en sais rien. D'accord. Des bonbons. Ah ouais, c'est vraiment les produits dérivés quoi. Waouh! Ah oui, forcément, la figurine. Iris Arto. Là, vous l'avez pas vu. Je m'en doutais que c'était celle-ci. Donc, du coup, je l'ai passé très très vite. Donc, si vous avez cligné des yeux, vous avez rien vu. Et ok, d'accord. Les produits dérivés, quoi. What the fuck? Alors, autant pour la boîte de céréales, moi, je vote oui tout de suite. D'ailleurs, offrez-la-moi pour Noël. Offrez-la-moi pour Noël. Offrez-la-moi pour Noël. Non, je déconne. Autant les saucisses, pourquoi? Ben, j'ai bien une idée, mais c'est dégueulasse. Et les bonbons, oui. Oui, c'est... Oui. Avec les cartes Panini à collectionner. Oui, forcément. Ça paraît logique. Ah, d'ailleurs, oui, on peut collectionner les 8... apparemment, c'est marqué qu'il y a 8... Sur le paquet d'emballage, c'est marqué qu'il y a 8 cartes à collectionner. Non, 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 ça c'est trop évocateur. Non, je dis non. En tout cas, voilà, ce fut une petite VOD en ma compagnie sur le Colosseum. Voilà, je vous souhaite encore un excellent Noël, comme je dis, hein, voilà. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël. J'espère que vous n'avez pas trop de maux d'estomac ou la tête un petit peu dans le cul en ce 25 décembre. Voilà, parce que bah, il y en a qui abusent un petit peu. Donc n'abusez pas des bonnes choses, hein. Mais faites-vous plaisir. Je vous fais donc des bisous. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur iPad Dimension Neptunia Report 3 V-Generation. Voilà, on va continuer, hein, vous en faites pas. C'est pas parce qu'il y a la fin de l'année, tout ça, la pression de Cyber Dimension For Me Game Online qui va bientôt sortir et je suis grand mode « Ah, mais j'ai toujours pas commencé le 4 !» Voilà, il y a la pression de ça. Donc c'est pour ça que je vous balance un petit peu du iPad Dimension Neptunia. Mais il se peut là que pour les périodes de Noël je me relâche un peu et que je vous mette un peu autre chose. Notamment il y a peut-être un peu de Stalker que je vais vous mettre. J'ai dû en tourner un petit peu d'avance, il y a ça un petit bout de temps. Et il est possible que je vous en remette parce que j'aimerais bien le terminer. Voilà. En tout cas merci bien, encore une fois, hein. Encore une fois un très bon Noël. Des bisous tout partout, à la prochaine et surtout hashtag Amour Viril.